Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, on va parler de la Chine, hein, peut-être encore une fois, mais on va voir que la Chine, depuis quelques mois, et même depuis fin 2022, est quand même dans une situation un peu de crise au niveau agricole, en tout cas sur un certain nombre de produits. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation des crises de surproduction. Alors, le terme est peut-être un petit peu fort, c'est un décalage entre l'offre et la demande, mais on va quand même voir qu'il y a un décalage assez fort et qui continue encore en 2024. Et la question, ça va être quand est-ce que ce décalage va s'arrêter? Donc, pour commencer, je voulais vous présenter quelques courbes d'indice des prix à la consommation. Alors, en bleu, c'est Total et le rouge, c'est alimentaire. Et on peut voir que, notamment sur l'alimentaire, mais aussi sur notamment sur l'alimentaire, pardon, depuis 2022, l'indice des prix à la consommation recule. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu en Chine, alors un petit peu début 2022, mais, et on va voir que c'est beaucoup lié au porc également, mais ça, Elisa va en parler, on n'a pas eu, contrairement à de nombreux pays de l'OCDE et d'autres pays dans le monde, une forte inflation en Chine. On peut voir la courbe bleue pour le total, et on a même maintenant une baisse des prix alimentaires. Alors, si on regarde produit par produit, c'est assez illisible, et notamment, on va voir le porc, comment dire, gêne un petit peu la photo, puisqu'on va voir que le porc a des évolutions très différentes des autres. Donc, j'enlève le porc, et quand on enlève le porc, eh bien, on voit que la plupart des prix à la consommation des produits agricoles. Alors, en rouge, c'est la viande bovine, en bleu, c'est le lait, pour bien les distinguer, mais on a aussi les œufs, les grains. Alors, les grains, c'est le noir, donc ça reste à peu près stable, mais les fruits frais, l'huile de cuisson, la viande ovine, tous les prix sont en train de reculer en Chine depuis 2022, contrairement, encore une fois, à la plupart des pays, notamment de l'OCDE, qui ont connu une forte inflation, puisque fin. En décembre 2022 par rapport à décembre 2021, la hausse des prix alimentaires dans l'OCDE était à peu près de 16%. On peut voir qu'en Chine, on a une dynamique totalement différente et on va essayer d'expliquer pourquoi cette dynamique, quels sont les dessous, qu'est-ce qui explique ces dynamiques des prix et on va essayer de voir, notamment pour le lait et la viande bovine, donc jusqu'où ça va durer. Donc d'abord, comme je l'ai dit, c'est un décalage offre-demande. Donc, on a une demande qui est relativement peu dynamique en Chine depuis un certain nombre de mois. Alors, pourquoi? Déjà, on a l'impact de la pandémie. L'impact de la pandémie, surtout fin 2022, début 2023. On se rappelle que la politique zéro Covid en Chine a duré jusqu'à décembre 2022, mais qu'ensuite, fin 2022, début 2023, il y a eu une propagation du virus qui a aussi beaucoup affecté la population qui était obligée de rester chez elle, moins consommer et consommer différemment. Donc déjà, on a eu, notamment pour les produits laitiers, une baisse de consommation, notamment à cause du Covid, à cause des différents lockdowns, des différents politiques qui obligeaient les gens à rester chez eux. Dès qu'il y avait un cas dans une résidence de 3 ou 4 000 personnes, toutes les personnes étaient bloquées chez elles. Et on a vu, bien sûr, le blocus, enfin, le lockdown de Shanghai là-dessus. Sur la viande bovine également, puisque la viande bovine se consomme beaucoup hors domicile en Chine. Et donc, les différentes mesures pour lutter contre le Covid en Chine ont également affecté la consommation de viande bovine. On a aussi eu des choses auxquelles on pense moins, mais par exemple, les étudiants consomment beaucoup de produits laitiers. Il y a une politique en fait de consommation de produits laitiers dans les écoles et dans les universités, et beaucoup d'étudiants ont été obligés de suivre leurs cours en ligne, ce qui a aussi affecté la consommation. Et puis, dans la période zéro Covid, les produits de base sont quand même plébiscité, et notamment c'est le riz, la farine, l'huile, les légumes. Alors, j'avais montré il y a 2 ans que les produits laitiers étaient aussi un petit peu consommés, mais moins. Et puis, la viande bovine, beaucoup moins, puisqu'elle se consomme beaucoup à l'extérieur. Donc ça, c'est le premier, je dirais, un des premiers facteurs, début 2022, pardon, et début 2023. Ensuite, on a aussi une situation économique qui commence à être préoccupante. Alors, bon, je ne vais pas dire que la Chine s'effondre, mais on a une situation économique un peu plus préoccupante que d'habitude. Vous avez ici l'évolution du PIB, avec un PIB en 2023 qui était à peu près à 5%. Les prévisions du FMI, alors qui ont été un petit peu revues ces derniers jours, parce qu'ils prévoyaient un peu moins de 5% en 2024, ils prévoient maintenant 5% quand même en 2024 comme en 2023. Mais il faut savoir que,
il y a un certain nombre de faiblesses que je vais développer après, notamment sur le marché de l'emploi. Il y a quand même 11 millions de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi chaque année. Donc, il faut trouver 11 millions de nouveaux emplois chaque année. Et un autre signe de la situation économique un peu fragile, c'est que le nombre de personnes qui s'inscrivent au concours de la fonction publique ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que le secteur privé attire moins. On avait en 2022 70 candidats pour un poste. C'est 77 en 2023 pour un poste. Donc, une fragilité qui est ressentie dans la population. On a en plus, au niveau aussi économique, un secteur de l'immobilier qui est fragile. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez vu lire la presse, Evergrande qui a fait faillite. Le gouvernement chinois qui va racheter un certain nombre d'appartements pour pouvoir les revendre ensuite et essayer, en faisant ça, de maintenir à flot le secteur de l'immobilier. On a un chômage des jeunes, c'est la courbe qui était au plus haut, en tout cas en ville, qui était à plus de 20% en juin 2023, et on n'a plus de chiffres puisque le gouvernement chinois a arrêté la publication des chiffres en juin, étant donné la hausse de la courbe. Mais ça veut tout dire. Quand on casse le thermomètre, en général, ça a une signification. On a aussi une bourse qui est en recul. En 2023, elle a baissé, cet indice-là, hein, je ne suis pas spécialiste, a baissé de 13% par rapport à 2022. Alors, il faut savoir qu'en Chine, il y a assez peu de filets sociaux. Les retraits ne sont pas forcément très élevés non plus. Donc, il y a beaucoup d'épargne. Alors, soit on épargne dans l'immobilier, soit on épargne en bourse. Bon, mais les deux sont pour l'instant pas en très bonne forme. Donc, tout ça fait que la situation économique n'est pas très forte. Et ça a notamment eu pour conséquence une baisse de la consommation. Alors, si je regarde notamment les produits laitiers, parce que les données sont un peu plus disponibles sur les produits laitiers, on peut voir qu'en 2023, le prix moyen, la fréquence d'achat, le taux de pénétration des produits laitiers ont tous diminué en Chine. Le seul facteur, d'après ce qu'on peut savoir, qui atténue un peu le recul, c'est l'augmentation du nombre de ménages urbains. Il y a une croissance de la population urbaine qui dure depuis très longtemps. Depuis 2011, la Chine est majoritairement urbaine et elle continue, je crois qu'on est d'être à 65-66% d'urbains en Chine. Et ce chiffre continue à augmenter et le pouvoir d'achat des urbains est supérieur au pouvoir d'achat des ruraux. Donc le fait qu'il y ait plus d'urbains, ça permet un petit peu de freiner. Par contre, on voit qu'on a une baisse, d'après Kantar, une baisse des ventes de produits laitiers, surtout des produits laitiers réfrigérés qui sont les plus chers et qui sont en général les plus premium. Donc on peut voir qu'on est à moins 6% d'après Kantar sur les ventes de produits réfrigérés. On est à moins 0,4% sur les ventes de produits laitiers à température ambiante. Ça, c'est pour la demande. Donc la demande fragile au niveau économique et ça se revoit dans les chiffres. Maintenant, on a une offre de produits bovins, mais pas que bovins, on va le voir, en hausse, et en hausse de manière assez forte. Et là, il faut prendre un petit peu de recul et donner un petit peu de contexte de la politique agricole chinoise. La Chine tient beaucoup à sa sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire en chinois, ça se traduit par sécurité des grains. Donc c'est les grains qui sont le cœur de la sécurité alimentaire chinoise, pour des raisons historiques et pour des raisons géopolitiques, on va le voir. Il se trouve que jusqu'en 2015, la politique chinoise était d'augmenter la production, notamment de grains, année après année, de battre chaque record de plus en plus. En 2015, à partir de 2015, les autorités chinoises ont décidé de prendre d'infléchir un petit peu la politique en se disant si on continue à augmenter les productions année après année pour battre un nouveau record, on va aller dans le mur. C'est de plus d'intrants, c'est plus de pesticides, c'est plus d'engrais, on a déjà des eaux qui sont polluées, on a déjà des sols qui sont pollués, et donc il faut mettre un petit peu la pédale douce. Donc à partir de 2015, il y a une nouvelle politique qui a été mise en place, qui a été de dire on garde des niveaux élevés de production, mais on arrête d'essayer de produire de plus en plus. Et notamment, on met aussi le frein sur tout ce qui est intrants. Au niveau animal, il y a aussi eu la délimitation de zones sans élevage pour essayer justement de dépolluer certaines zones. Je ne m'étends pas. Sauf qu'à partir de 2018, un certain nombre de phénomènes ont renversé cette politique. On a eu la fièvre porcine africaine. Bon, Elisa va en parler en détail. On a eu la guerre commerciale avec les États-Unis. On a eu le Covid. Alors même si le Covid n'a pas réellement bousculé à l'intérieur du pays, sauf au début, les chaînes d'approvisionnement agricole, on a quand même eu au niveau international, que ce soit 2020 ou 2021, quelques frayeurs sur l'approvisionnement. Et puis on a eu la guerre en Ukraine. Et la Chine était quand même un des principaux au départ bénéficiaires du corridor qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses grains. Et la Chine avait beaucoup investi également en Ukraine. Donc,
Tous ces phénomènes cumulés ont fait qu'à partir de 2020-2021, il y a eu une réorientation de la production, de la politique agricole, vers plus d'autosuffisance, vers une sécurisation des approvisionnements. Et notamment, il y a un document d'orientation politique en 2021 qui appelle à renforcer l'autosuffisance alimentaire avec deux axes. Accroître la production agricole, donc on revient à ce qu'on faisait avant 2015, on recommence à accroître la production agricole, et on limite les pertes et le gaspillage. Alors, je vais aller très rapidement, mais c'est pour vous donner quelques idées. Il y a eu, par exemple, un lancement d'un projet national de grains de haute qualité, avec cette phrase qui est connue, qui est à tout moment, le bol des Chinois doit être fermement tenu entre leurs mains, et ce bol doit être rempli de grains chinois issus de semences chinoises. Issus de semences chinoises, ça a été rajouté, justement, depuis 2021. Je parle semences végétales, mais semences animales également, notamment aussi avec tout ce qui est avicole, tout ce qui est grands-parentaux, etc. C'est aussi un problème au niveau chinois. Culture d'OGM, ça fait longtemps qu'on en entend parler. On parle beaucoup des OGM de la Chine. Bon, en octobre 2023, ça y est, 37 variétés approuvées. Et on commence à planter. Alors, petit 0,5% des 44 millions d'hectares plantés en maïs, mais quand même, ça commence. Ça commence, et avec des rendements qui, ils espèrent, pourront augmenter de 10%. Et puis, une loi contre le gaspillage. Donc, il y a eu tout un phénomène de dire qu'il faut augmenter la production. Et ce phénomène, qui concerne en premier les grains, puisque encore une fois, la politique agricole chinoise, c'est la politique des grains, ça a aussi affecté les productions animales, et notamment les productions de lait et de viande bovine. Et donc, alors d'abord, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est qu'on pouvait voir qu'en... À partir de 2015 jusqu'en 2018-2019, la production de grains s'est stabilisée, d'après les données officielles, et puis qu'à partir de 2020, elle a recommencé à augmenter. Bon, alors, ce sont les données officielles, mais en tout cas, on voit bien le palier et l'augmentation. Et ça, ça a aussi eu lieu pour les productions animales. Il y a eu tout un tas de politiques pour augmenter la production. Alors, on va le voir, notamment dans le lait, je vais le détailler un petit peu. Des aides à la création d'exploitation, des aides fiscales aussi pour avoir des prêts bonifiés, des aides fiscalement aussi pour payer moins d'impôts pendant un certain nombre d'années, etc., etc. Toutes les productions ont été touchées par cette politique. Et donc, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit en effet que la production bovine chinoise a augmenté et continue d'augmenter. Elle a augmenté de 5% entre 2023 et 2022. Elle a augmenté de plus de 20% depuis 2016. C'est également le cas pour la production laitière, qui avait stagné depuis la crise de la mélamine jusqu'en 2018. Et puis, elle augmente, d'après les chiffres officiels, d'année en année. Alors, encore une fois, ce sont les chiffres officiels, mais on n'a que ça. Et de toute manière, quand on interroge sur le terrain, il y a quand même beaucoup plus de lait dans les entreprises. Et donc, entre 2018 et 2023, la production chinoise a augmenté de 36%. Donc, on peut voir que ce qui a affecté les grains affecte aussi la production de viande bovine et de lait. Toutes les productions sont à la hausse en Chine. Alors, je vais détailler maintenant l'augmentation de la production laitière chinoise en faisant un petit détour par les grandes exploitations laitières, puisqu'en fait, ce sont elles les responsables de cette augmentation et ce sont aussi elles qui sont responsables de cette offre qui est en décalage par rapport à la demande. Alors, il faut savoir que je fais un petit rappel. En 2008, crise de la mélamine, d'une mélamine dans le lait qui se retrouve dans les poudres de lait infantiles, défiance des consommateurs chinois qui ne veulent plus, en tout cas moins, de produits laitiers chinois, donc stabilisation de la production. On a aussi eu, il y avait à l'époque, en 2007, 2,5 millions d'exploitations en Chine et on va dire plus de 90% avaient moins de 10 ou 20 vaches. Le gouvernement chinois, à partir de cette époque, a décidé de rationaliser la production laitière et de faire disparaître petit à petit les petites exploitations et de créer des grosses exploitations. Donc on a eu ce phénomène sur lequel je ne m'étends pas en détail. Et le gouvernement chinois a également demandé aux entreprises de transformation laitière d'avoir leur propre ferme, c'est-à-dire de dire, voilà, au moins vous serez responsable de l'approvisionnement, s'il y a un problème, ça sera votre faute. Mais les entreprises de transformation laitière, on dit, mais ça nous arrange, puisque comme ça, on va pouvoir nous sécuriser notre approvisionnement. Il y a eu des guerres du lait quand même en Chine. Il y a eu des moments où il y avait peu de lait et les entreprises se piquaient les éleveurs. Et les entreprises de transformation se sont dites, on va sécuriser notre approvisionnement en ayant nos propres fermes. Et donc, c'est ce qui s'est passé petit à petit. Et là, je vous montre deux exemples. Donc, Illy, à gauche, qui est le premier
le transformateur laitier chinois, et Mengniu, qui est numéro 2, Yili possède 40% d'une entreprise sur laquelle on va revenir, qui s'appelle Yojan, qui est la plus grosse entreprise de groupe d'élevage. Elle possède 32% de Zhongdi. Elle a racheté les deux exploitations de Fonterra. Bon, Shaoxing, c'est une autre, c'est Yojan, donc qui détient 58%, sachant que Yojan appartient à Yili. Osnatria, elle a 34%, et en plus, elle possède aussi la deuxième coopérative laitière en Nouvelle-Zélande à 100%. Même chose du côté de Mengniu. Mengniu possède 100% des parts d'un groupe d'élevage qui a plusieurs fermes qui s'appelle Fuyuan. Elle possède 100% de Zhongyuan, etc., etc. 51% de Modern Dairy, qui est le deuxième groupe d'élevage en Chine. Donc, les entreprises laitières de transformation laitière chinoise construisent soit des fermes à elles, soit elles prennent des participations dans des élevages. Et donc aidé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux facteurs qui tirent la création de ces ces groupes d'élevage, on va le voir, qui sont quand même très grands, avec des très grosses fermes. C'est un, la politique chinoise, qui veut se débarrasser des petites fermes parce qu'elle pense que sanitairement, au point de vue des taux, au niveau des rendements laitiers, ce n'est pas suffisant. Il faut des grosses fermes modernes avec les derniers systèmes technologiques pour pouvoir augmenter des rendements, avoir une sécurité sanitaire au top avec des gens formés. Donc on a cette politique d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a les groupes laitiers de transformation laitière qui, eux, se disent « Nous, on veut notre propre ferme pour sécuriser notre approvisionnement. » Et donc, on a des aides du gouvernement, bon, je ne vais pas les lire, mais vous verrez, qui déjà ne concernent que les exploitations de plus de 300 têtes. En dessous de 300 têtes, vous n'avez pas d'aide. Et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions de yuan, c'est-à-dire près de 780 000 euros, par exemple, pour 3000 animaux. Ça, ce sont des aides locales. Il y a aussi des aides nationales. Et la deuxième chose que je voudrais faire remarquer sur cette diapo, c'est que ce sont des aides, c'est 2022-2023. Ce n'est pas des aides de 2015, 2016, 2017. Ce sont des aides, des documents qui sont parus en 2023 et 2022, au moment justement où déjà la consommation baissait et on avait, je vais le montrer, une baisse du prix du lait. Pourtant, ça continue. Les aides continuaient à y aller. Et voilà. Et le résultat de notamment ces aides, mais pas que, c'est qu'entre 2020 et 2022, la Chine avait prévu de construire 560 millions d'exploitations avec près de 4 millions de têtes. Alors, je mets deux têtes. Parce qu'en Chine, le nombre de têtes d'une exploitation, c'est toutes les têtes. C'est les vaches, mais les génisses et les veaux également. Donc il faut diviser par deux à peu près pour avoir le nombre de vaches qui sont traites. Et en 2023, il y aurait eu 164 nouveaux projets de ferme avec à peu près 1 million de têtes. Bon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que malgré la crise, on continue à construire. Exemple de grands groupes d'élevage, c'est Yojan, c'est le plus gros maintenant. Ils ont 81 exploitations. 91, dont 14 ouvertes en 2023. C'est-à-dire qu'ils continuent à augmenter et à s'étendre. Ils ont à peu près un peu moins de 300 000 vaches laitières, ils font à peu près 3 millions de tonnes. Mais c'est un groupe complet. C'est-à-dire qu'ils ont aussi 15 usines d'aliments pour les approvisionner, 15 bases de fourrage, puisque la Chine importe énormément de luzerne, notamment des États-Unis. Et donc, ils veulent moins dépendre des États-Unis. Donc, ils subventionnent la production de fourrage. Et ils ont aussi 3 sites de reproduction, dont un aux États-Unis. Et on va voir le chiffre d'affaires, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros. Et donc, on est sur ces grands groupes. Et donc, quelques chiffres pour vous donner aussi une idée. C'est qu'en 2021, on avait à peu près 50% des vaches qui étaient dans des exploitations de plus de 1000 têtes. Et vous pouvez voir, c'est qu'entre la crise de la mélamine, donc 2007-2008, et aujourd'hui, le nombre de petites exploitations, moins de 100 vaches, a beaucoup baissé. Le nombre de grandes a augmenté, mais au milieu, ça n'a pas bougé. Enfin, en tout cas, la proportion du cheptel dans ces exploitations n'a pas bougé. Donc, on a diminué les petites, on a fait augmenter les très grandes, mais entre 100 et 1000 vaches, le cheptel n'a pas vraiment bougé. Et donc, pour vous dire que les 10 principaux groupes d'élevage donc, que je vous ai montrés, hein, Yojan, Modern Dairy, etc., produisent à peu près plus du quart de la production laitière chinoise. Ils font un peu plus de 11 millions de tonnes avec plus de 2 millions de vaches. Donc, ça commence vraiment à prendre une importance très forte. Et donc, on a ce système qui privilégie les grosses exploitations et quand on fait une exploitation avec 5 ou 10 000 vaches, tout de suite, la production laitière augmente fortement. Et quand on multiplie, ça augmente la production nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a, en fait, entre le décalage de la demande, je vous ai dit, qui était
peu dynamique et cette offre de grosses exploitations qui arrive sur le marché constamment, on a une baisse des cours du lait qui se poursuit. Ce n'est pas la première fois. On a eu ça au cours du scandale de la mélamine, tout à fait à gauche, 2007-2008. On a eu une autre fois encore, 2014-2015, et c'est la troisième fois qu'on a. Je rajoute un phénomène qui est qu'on a vu les prix du lait, vous voyez les prix du lait qui augmentent en 2020, 2019-2020. Ça a aussi incité un certain nombre d'exploitants à s'agrandir ou de groupes d'élevage à construire également. Quand on voit les prix du lait qui augmentent, ça a aussi incité un certain nombre. Et juste pour dire que le prix du lait chinois, finalement, est repassé en dessous du prix du lait français. Alors, le prix du lait français a augmenté, bien sûr, mais le prix du lait chinois a baissé. Et on se retrouve avec un prix du lait français qui se retrouve au-dessus du prix du lait chinois. Le prix du lait chinois était en général bien plus élevé que le prix du lait français. Ce n'est plus le cas. Ça pose aussi une question pour tout ce qui est compétitivité prix des produits chinois, in fine. Alors, on a un prix du lait qui baisse, mais on a aussi des coûts de production qui augmentent. Alors, j'ai pris que l'alimentation, puisque l'alimentation, c'est en moyenne 65-70% du coût de production du lait en Chine, d'après les données disponibles. Et donc, on voit que le prix du lait baisse. Le prix du maïs a beaucoup augmenté, mais s'est stabilisé. Et le prix du soja, lui, tourteau de soja, reste très élevé. Donc, en fait, on a une augmentation des coûts de production. On a une baisse du prix du lait. Et ce qui fait que, ben, on se retrouve où ? On se retrouve avec ce qu'on trouve beaucoup dans les articles en chinois, du lait versé et des abattages. Les exploitations laitières perdent beaucoup d'argent depuis fin 2022. Je vais le montrer juste après. Il y avait une enquête qui avait été faite en premier semestre 2023 qui montrait que sur 300 fermes, il y en a 60% qui perdaient de l'argent. Donc 60% des fermes qui perdent de l'argent, c'est même peut-être plus maintenant en 2024, d'après les dernières données. Et alors, si certaines constructions de grandes exploitations ont freiné en 2023, c'est surtout le cas de certains groupes d'élevage indépendants ou de petites entreprises régionales. Par contre, tous les projets de construction de grosses fermes laitières soutenues, on va dire, par les grands groupes laitiers Illy Mengniu, eux, ont continué. Ils sont allés au bout et continuent d'aller au bout. Et donc, ça, et les petites et moyennes exploitations, bien sûr, disparaissent. Ça, c'est l'autre phénomène. Et donc, voilà ce qu'on trouve, voilà, une photo qu'on trouve sur Internet. Donc, c'est soit des étables vides, puisque ben, les éleveurs ont vendu leurs vaches à l'abattoir, soit des éleveurs qui versent le lait. Donc, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé fin 2022 et 2023. Et ça continue, on va peut-être moins les verser, mais ça continue en Chine. Dans le même temps, les entreprises de transformation laitière, qu'est-ce qu'elles font ? Alors, bah déjà, elles baissent le prix du lait, on l'a vu. Deuxièmement, elles ont trop de lait par rapport à la consommation. Donc, elles sèchent le lait en poudre grasse. Des chiffres qui circulent disaient 10 000 tonnes par jour. Aujourd'hui, on serait même, d'après les chiffres, à 15 000 tonnes par jour en 2024. Donc, le phénomène continue. Les chiffres de stockage du lait, alors, il n'y a pas de chiffre officiel, mais les chiffres qu'on peut lire, c'est 250 000, 300 000 tonnes de poudre grasse dans les stocks. La Chine importe, en général, 600 à 800 000 tonnes par an. Ils auraient 250 000 à 300 000 tonnes de stock. Donc, on a du lait versé, on a des prix du lait qui baissent, on a des petits éleveurs qui disparaissent, et les entreprises laitières, ben, je dirais, profitent certaines de ce moment, justement, pour aussi continuer à éliminer les petits éleveurs. Ils ont parfois des contrats d'un an, ben, justement, décembre 2022, je dis, la crise était là, ben, non, on ne renouvelle pas le contrat, ou on arrête de collecter le lait. Et donc, ben, les petits éleveurs, soit ils essayent de vendre le lait un peu comme ils peuvent, mais à des prix très bas, soit ils font ça. Et donc, juste pour vous montrer aussi que les grands groupes perdent aussi de l'argent. Il n'y a pas que les petits éleveurs qui perdent de l'argent, les grands groupes aussi. Là, vous avez les chiffres d'affaires. Donc, vous avez Yojan, donc, c'est en yuan, mais ça fait à peu près 2,5 milliards d'euros. Modern Dairy, c'est un peu moins de 2 milliards d'euros. Donc, vous voyez, les chiffres ont progressé, les chiffres d'affaires ont progressé. Elles se sont agrandies, elles ont plus de vaches. Par contre, si on regarde les résultats, les bénéfices, on est en baisse. Yojan a perdu 130 millions d'euros l'année dernière. C'est pas, voilà, c'est un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Modern Dairy a vu ses bénéfices fondre et les deux autres ont vu aussi des pertes. Sauf que ces groupes vont continuer. Ces groupes vont continuer parce que, pourquoi ? Parce qu'ils sont aidés, ils sont soutenus par les grandes entreprises laitières. Et les grandes entreprises laitières vont continuer à soutenir ces grands groupes laitiers.
Déjà, ils achètent le lait moins cher, même s'ils le payent plus cher que pour les petites entreprises, mais ils achètent le lait moins cher, ce qui fait qu'ils peuvent ensuite revendre plus cher. Yili, qui est le numéro 1 chinois, a eu son chiffre d'affaires augmenté de 2,5% l'année dernière et ses bénéfices de 10%. Donc tout va bien pour lui. Et ils vont continuer à soutenir ces entreprises. Ce qui fait qu'en fait, là où je veux venir, c'est qu'on a une offre excédentaire en Chine qui est notamment le fait de ces groupes, ce qui mène à une crise. Et qui va être le bénéficiaire de cette crise ? Ce sont encore ces groupes, puisque les petites entreprises vont disparaître et que ces groupes sont soutenus par les grandes entreprises laitières. Et il commence à y avoir en Chine, dans les articles, une demande de régulation. Alors, je ne dis pas que le gouvernement va le faire, je dis qu'on voit dans les articles de certains chercheurs, consultants, une demande de régulation en disant qu'il faut commencer à réguler la création de ces fermes laitières qui sont en fait... Qui se construisent partout, tout le temps, et qui n'ont pas de. Pèsent sur le marché laitier et qui, en fait, vont devenir de plus en plus majoritaires. Conséquence, on voit, comme je vous l'ai montré, mais là, il y a un peu plus de détails, on a une baisse des prix au détail, que ce soit pour les produits fermentés, le lait liquide, et même les poudres de lait infantile. On peut voir que le prix des poudres de lait infantile importées stagne également. Alors, maintenant, sur la viande bovine, c'est à peu près le même phénomène, mais en moins fort, quand même. C'est-à-dire que la taille des exploitations de viande bovine est quand même moins importante, et on a une hausse multifactorielle de l'offre. La première, je ne reviens pas, c'est les conséquences des politiques introduites en 2018-2020, qui, avec le cycle de production bovine, ont fourni leurs premiers animaux gras 2022-2023. Ensuite, on a des restrictions du Covid qui ont freiné les sorties d'animaux et qui ont freiné aussi la consommation de viande importée congelée. Tout ça, c'est arrivé sur le marché en 2023. La panique, quand on voit les prix baisser, certains veulent vendre avant que ça ne baisse plus. Vaches laitières qui arrivent sur le marché, ça fait encore plus baisser les prix, même si le cheptel laitier est petit par rapport au cheptel allaitant. Et puis la contrebande, c'est-à-dire qu'on a une contrebande qui s'est arrêtée un peu pendant le Covid, notamment en venant du Myanmar ou du Vietnam, et qui a continué. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que, vous avez à gauche, les prix du bovin gras dans la province du Shandong, ça chute et ça n'en finit pas de chuter jusqu'en 2024. Là, c'est jusqu'en avril 2024. Vous pouvez voir, mai 2024, même par rapport à mai 2023, on est à moins 15%. Moins 15%, et on voit qu'on est plus bas qu'en 2017. Donc, on a une chute des prix des bovins. Et quand on regarde à droite, on peut voir les courbes viande porcine, viande bovine, viande ovine. Je ne vais pas m'attarder sur la viande porcine, mais juste pour vous montrer que la viande bovine est toujours la viande la plus chère en Chine. Et quand on zoome un petit peu, on peut voir qu'en effet, il y a une baisse. Alors, il y a eu moins 4%, c'est du moins 4, hein, entre 2023 et 2022. Et si on regarde sur le premier quadrimestre 2024, on est à moins 10% de prix. Donc, on a encore une baisse des cours relativement forte. Alors, quelles conséquences sur les importations ? Eh bien, on peut voir que ce soit de la viande bovine, alors marginalement, mais on va voir aussi pour les produits laitiers, on a une baisse des importations. Alors, juste pour vous, je vais passer rapidement là-dessus, c'est juste pour vous montrer la balance commerciale chinoise, tout produit, pas uniquement alimentaire, tout produit, on peut voir que c'est 800 milliards de dollars à peu près chaque année, mais une volonté de diversification des partenaires. Et on peut voir que l'ASEAN est maintenant le premier partenaire commercial de la Chine devant l'Europe et les États-Unis. Quand je dis partenaire commercial, c'est import-export cumulé. Donc il y a une volonté de diversification des importations, notamment pour moins dépendre de certains pays et aussi pour, comme on dit, arsenaliser les interdépendances, c'est-à-dire pour rendre les pays dépendants du marché chinois. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'alimentaire et est-ce que c'est le cas aussi pour les bovins ? C'est à voir. Chose quand même à rappeler, le solde commercial agricole et agroalimentaire chinois est déficitaire depuis 2003 et on est à peu près à 135 milliards de dollars de déficit, avec des importations qui sont à 234 milliards et des exportations qui sont à un peu moins de 100 milliards. Donc un déficit qui s'est un peu stagné ces dernières années, mais qui reste très important. Qui sont les principaux fournisseurs de la Chine ? C'était avant la guerre commerciale avec les États-Unis, c'était le Brésil et les États-Unis à peu près à égalité. C'est maintenant le Brésil, loin devant les États-Unis, mais on peut voir que derrière, il y a une diversification. Oui, la Thaïlande passe un peu devant, mais l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande restent quand même très fortement présents. Et on peut voir que la Russie ne fait que 4% pour l'instant des importations chinoises.
En viande bovine, donc je l'ai dit, on a une chute des prix. On a aussi des importations qui sont légèrement en recul, à peu près de moins 1%, avec une hausse de l'Australie, de l'Argentine et de la Bolivie, un recul d'autres pays, je ne vais pas m'y attarder. Et on peut voir que le Brésil, l'Argentine reste, donc l'Amérique du Sud reste le principal fournisseur de la Chine, puisqu'il y a encore l'Uruguay derrière, et même, je crois, la Bolivie. Donc on est à, je ne sais pas, les deux tiers, à mon avis, plus pour ne serait-ce que l'Amérique du Sud. L'Australie est à 9%. Ce qu'on peut voir, c'est que la Russie est toute petite, quand on parle d'alliance russe, en tout cas pour le soja peut-être, pour d'autres produits peut-être, pour la viande bovine pas, mais j'ai appris récemment qu'il y aurait un accord qui aurait été signé entre la Chine et la Russie le mois dernier, justement pour que la Russie puisse exporter plus de viande bovine en Chine. Pas sûr que la Russie prenne une part très importante, mais c'est un signe du rapprochement et de la volonté de la Chine de diversifier ses approvisionnements. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que la dépendance en viande bovine recule légèrement en Chine en 2023, 32% contre 34%, je crois, en 2022, et que la consommation chinoise, par contre, poursuit sa hausse. Elle est à peu près un peu moins de 8 kilos équivalent carcasse par habitant. Sur le lait, vous avez ici l'évolution en 12 mois glissant en équivalent lait. Alors, ça, c'est nos calculs des importations chinoises. Et on peut voir que depuis 2022, elles ne cessent de reculer. On est à peu près, donc comme disait Gérard, 12. Nous, on est un peu, enfin, en 12 mois glissant, on est un petit peu moins. On est à 11 et quelques millions de tonnes équivalent lait. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on cumule les importations d'Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et il m'en manque un, Vietnam, merci, on est en dessous, mais on est peut-être à 8-9. Et les importations de ces pays vont continuer à augmenter. Pourquoi ? Parce que la population augmente, contrairement à la Chine où la population diminue. La consommation va augmenter et surtout, la production locale n'a pas la même force et la même progression que ce qu'on peut avoir en Chine. Et donc, on se demande si, dans quelques années, est-ce que les courbes ne vont pas se croiser et est-ce que ces pays-là ne vont pas en fait importer au final beaucoup plus que la Chine, qui restera quand même premier importateur mondial, mais quand même. Donc, quand on regarde les évolutions par pays, on peut voir que la Chine a beaucoup réduit ses importations de poudre grasse. C'est normal, je l'ai dit, ils ont des stocks très, très, très élevés. Le lactosérum est reparti à la hausse, mais ça, je pense que c'est Elisa va peut-être en parler, avec notamment le secteur porcin. Les laits liquides sont en chute libre, comme les laits infantiles, je dirais. Alors, les laits infantiles, je ne vais pas revenir dessus, mais on est avec des naissances en baisse, on est à moins 10 millions de naissances, le gouvernement chinois aimerait le double. Et puis on a des marques locales qui reprennent, enfin, dont la confiance vis-à-vis des consommateurs augmente mois après mois. Et donc on a trois produits qui, eux, à mon avis, dont les importations vont continuer à progresser, c'est les fromages. Alors surtout du fromage fondu, hein, pas n'importe quel type de fromage, mais bon, le fromage, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement chinois met l'accent, déjà pour la consommation, mais aussi, pourquoi pas, en disant on peut stocker autrement qu'en faisant des poudres grasses, on peut peut-être stocker aussi en faisant du fromage. Le beurre, surtout en viennoiserie, pâtisserie, et la crème, et même il y aurait des velléités de produire plus de crème en Chine, mais ça reste à voir. Donc ce sont vraiment les trois produits qui, à mon avis, vont, dans les années futures, continuer à progresser. Alors, pas forcément de manière linéaire, mais en tout cas sur une tendance. Dernière diapo, l'estimation du taux d'autosuffisance laitier chinois. Alors, ça, c'est nos calculs. On peut voir que depuis 2 ans, il remonte. Il remonte pourquoi ? Parce que les importations baissent et que la production augmente. Maintenant, encore une fois, la question, c'était au départ, combien de temps ça va durer ? Combien de temps ce décalage entre offre et demande et baisse des prix va durer ? Est-ce que cette baisse des prix ne va pas finir par affecter in fine quand même la production, que ce soit en viande bovine ou en lait ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, l'USDA, par exemple, prévoyait une stabilité de la production laitière en 2024. Dans leur dernier rapport, ils disent qu'elle va augmenter. Elle va augmenter parce qu'ils voient le nombre de vaches finalement ne pas diminuer, mais même augmenter. Les éleveurs laitiers qui voulaient arrêter envoyaient leurs vaches à l'abattoir. Maintenant, le prix des animaux gras ou des bovins vivants est tellement bas qu'ils ne l'envoient plus à l'abattoir, mais ils le donnent à d'autres exploitations qui s'agrandissent.
pour l'instant, étant donné toutes les exploitations, notamment laitières, qui sont en construction ou qui vont arriver à production très bientôt, j'ai pas de boule de cristal, mais pour 2024, je vois mal la production ralentir. Elle était de plus 5% au premier trimestre, d'après les données officielles. Et on voit le prix du lait baisser, à moins que la consommation ne reparte. Pour moi, le seul moyen, ce serait que la consommation reparte, peut-être au second semestre, et que ce décalage entre offre et consommation se réduise, non pas peut-être par une diminution de l'offre, mais plus par une augmentation de la consommation, peut-être au second semestre 2024, voire en 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marc. Impressionnant, hein, ce développement de la production, de l'offre, et de cette concurrence interne, hein, finalement, entre les différents types d'exploitation. J'imagine que ça va susciter des réactions et des questions. Est-ce qu'on connaît en fait comment fonctionnent ces grandes fermes ? Est-ce qu'on a des ratios du type nombre de vaches par travailleur ou des choses comme ça ? Est-ce que c'est comparable à l'Europe finalement ? Alors, comparable à l'Europe, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes tailles d'exploitation, mais les chiffres qu'on a, c'est à peu près un employé pour 50 à 60 vaches. Donc c'est quand même des bonnes productivités. Ouais. Quoi. On peut arriver à des litrages par travailleur qui sont assez importants. Et déjà des litrages par vache, parce que j'en ai pas parlé, mais c'était dans les diapos, on peut être jusqu'à 12-13 tonnes par vache. Alors c'est les chiffres officiels des entreprises, mais je pense qu'avec un taux de réforme relativement élevé et une présence de 2 ou 3 lactations par vache, on peut y arriver. Et avec des rations, à mon avis, aussi très... très dense, voilà. Et donc, même si le nombre de vaches diminue, mais même il est en train d'augmenter, comme les petites exploitations qui ont des rendements relativement faibles disparaissent et qu'on arrive avec des exploitations qui ont 12-13 tonnes par vache, forcément la production va continuer à augmenter. Les seuls, on peut se poser aussi la question de la durabilité de ces exploitations qui importent quand même, enfin, qui sont dépendants du soja importé, de la luzerne importée également, de la génétique importée, puisqu'elles importaient au passé de Nouvelle-Zélande qui a arrêté d'exporter ces animaux vivants, mais aussi d'Australie et d'Uruguay. Donc maintenant, les exploitations laitières chinoises vont devoir aussi mettre l'accent sur la génétique et devoir développer une génétique aussi locale. Une question. Ouais. On ne va pas pouvoir en prendre beaucoup parce qu'on va être en retard. Toutes ces vaches laitières font des veaux. C'est un problème chez nous d'avoir les veaux laitiers, heureusement qu'on a l'Espagne, hein, pour nous les prendre. Et eux, comment ils les valorisent, les veaux laitiers ? Alors, il y a beaucoup de sexage dans ces grandes exploitations. Donc, majoritairement, c'est quand même des veaux femelles qui restent sur l'exploitation. Sinon, ils les vendent à des exploitations d'engraissement, qui prennent un petit peu tout. J'avais visité un certain nombre d'exploitations bovines qui faisaient le tour de toutes les exploitations autour pour récupérer les veaux et les engraisser. Et on avait une variété de races, un panel de races, de la Holstein à des croisés, à un peu de tout. Et ils engraissaient un petit peu de tout et les vendaient à l'abattoir, sachant que donc il y a une demande de viande bovine qui est relativement forte, même si maintenant les prix sont en chute, mais on a vu que les prix ont beaucoup augmenté entre 2013 et 2020. Et donc, en général, ils les vendent, soit ils ont des contrats avec des engraisseurs pour les exploitations laitières les plus organisées, sinon ils les vendent à des marchands de bestiaux qui passent. Et en général, ça trouve preneur parce que, encore une fois, il y a une demande de viande bovine et les prix étaient relativement élevés ces dernières années. Oui. Delhomme Carroll pour Export for Life. Est-ce que ces grands groupes ou d'autres ont aussi en fait des productions ou des terres à l'étranger où ils produisent du lait sûrement plus que de la viande et qu'ils réimportent pour leur marché intérieur, parce qu'on sait que les Chinois ont des terres un peu partout sur la planète. Est-ce qu'on a une idée des volumes d'hectares, on va dire, ou tout ça ? Alors là, alors les grands groupes lesquels ? Les groupes d'élevage ou les transformateurs laitiers ? C'est Quel, dans la filière laitière, enfin, au milieu de ces groupes, est-ce que lesquels travaillent avec des terres dans d'autres pays que la Chine et ramènent pour la production nationale ce produit ? Alors, j'ai parlé de Illy, qui notamment a racheté Westland en Nouvelle-Zélande, qui est la deuxième coopérative, je crois, laitière de Nouvelle-Zélande. Et ensuite, il y a en effet, Illy a aussi, je crois, plutôt des usines de transformation au Pakistan et un peu en Asie du Sud-Est. Il y a eu des investissements laitiers en Australie et en Nouvelle-Zélande, soit par des grands groupes comme Illy, Mengniu,
nouveaux qui ont racheté, soit par des investisseurs, je dirais, un peu sortis de nulle part. Et d'ailleurs, je lisais, je crois, l'année dernière, qu'un de ces gros investisseurs qui avait acheté une grosse ferme en Australie était en train d'essayer de la revendre. C'est-à-dire que c'était un petit peu un coup d'essai. Quand les prix montaient, ils se sont dit « Ah, ça rapporte. » En plus, comme les produits importés et se valorisaient beaucoup mieux que les produits locaux, ils se sont dit « Allez, je vais faire un coup économique, financier. Je vais racheter une ferme, je vais revendre les produits. » Et puis finalement, certains se rendent compte que c'est plus compliqué et que ça marche moins bien. Mais donc, oui, il y a eu beaucoup en Australie et en Nouvelle-Zélande des rachats de fermes, que ce soit bovin-viande, ovin-viande ou bovin-lait. Dernière question, Alexandre. Oui, Alexandre Chédeville pour Interbev. Il se trouve qu'on peut lire que la Chine a un stress hydrique important. Il y en a même, les spécialistes disent que la Chine a un stress hydrique équivalent à des pays désertiques. La production bovine nécessitant beaucoup d'eau, on voit une augmentation de 5% là, entre 2022 et 2023. Est-ce que ça va pas se plafonner un jour ou l'autre, cette augmentation ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour que ça plafonne un jour. Après, il y a en effet un stress hydrique alors, qui est fort, notamment dans la région de Pékin, dans le Hebei. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lait. Il y a aussi le changement climatique avec l'augmentation des températures. Ça, c'est plutôt dans le sud. Il se trouve que la production laitière et la production bovine, c'est vrai, est plutôt dans le nord. La production laitière, je pense, est moins affectée par les problèmes hydriques, puisque c'est surtout dans le Heilongjiang, dans les Mongolies intérieures, qui sont vraiment dans le nord, où il y a quand même moins de... Il fait moins chaud, il y a moins d'évapotranspiration, donc il y a moins de ça. La production bovine est plus, je dirais, dans le centre Pékin ou sud de Pékin. Et là, c'est vrai que ça peut commencer à poser des problèmes, pas que d'ailleurs pour les productions bovines, mais pour tout un autre production. Et donc le gouvernement chinois notamment est en train d'essayer, avec un canal, d'apporter de l'eau du sud, où il y a la mousson et beaucoup de pluie, vers le nord justement, alors principalement vers les villes. Et puis il y a aussi, et ça pose problème avec tout un tas de pays limitrophes, puisque la Chine est quand même la source de très nombreux cours d'eau, on va dire, qui ensuite passent dans d'autres pays. Et la Chine a refusé de signer un traité multilatéral pour la gestion des conflits autour des cours d'eau. Donc ils le font en bilatéral. Alors bien sûr, quand c'est contre le Vietnam ou contre la Mongolie, ils ont un poids certain. Et donc, ils essaient de mettre des barrages ou de détourner certains cours d'eau, justement, pour résoudre ces problèmes de stress hydrique. Et ils y arrivent. Alors, j'ai pas de point à date, mais... En tout cas, ils essayent et ils font pression sur les autres pays pour que ça se passe relativement bien. Donc oui, stress hydrique, ils en sont conscients et ils essaient de trouver des solutions.